Salut à tous, c'est Renard. Nous poursuivons dans cet épisode 54 de Skyrim pour rechercher les notes d'un certain forgeron, je sais pas qui c'est, mais... Bon, là on essaye de survivre d'un dragon surtout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça a marché, mais bon. Oh, j'aurais dû me soigner, je suis trop bête. Sinon, on fuit. Oh là là. Bon, où est la bête? Oula, ça lag. Oh là, y a deux dragons? Trois dragons? Oh là, mais comment j'ai fait pour survivre, moi? Je vais monter sur toi, parce que sinon j'ai aucune chance. Ah oui, parce que je crois que nos notes, elles sont là. Donc on n'a pas le choix. Je fais une sauvegarde rapide. Ah mais c'est horrible, ils ont l'air super forts. Non mais arrêtez. Je peux pas battre ça, c'est pas possible. En plus là, j'ai mis en mode dur et tout. Avec les armes. Oh là 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 là. Oh les diables. En fait, on va quitter. Oh, regardez! On dirait mon dragon, je sais pas si. Non, c'est pas un ennemi. C'est. Ah, j'avais peut-être appelé David. Ah oui, c'est mon ami alors. Fin dragon parce que... Oh j'arrive pas parce que... Hop putain. Alors là... Erreur de demi-temps. Putain j'ai mis des mobs mais maintenant c'est devenu trop dur. C'est les trucs des vampires, on va éviter. Hein. Oh là, là. Bah j'ai pas pu. Hein. Non, là, je me suis pris une flambée. Ça a rien de se mettre comme ça. Oh, mais trop. Oh non, mais. Ça suffit. Vite. Non mais... non mais là c'est Dark Souls là. Bon attends, on va faire une stratégie. Là, il faut se...
Oh, il me voit pas. Est-ce que c'est comme les abeilles, il faut bailler dans l'eau ouais. On va se mettre à un endroit. Oh putain! Non mais une erreur. Une erreur et c'est fini. Une erreur et c'est fini. C'est trop dur. Toi rapide, allez, rapide. Bon, mes raccourcis ils sont complètement déglingués. Je sais pas qui c'est qui a joué à la place. Enregistre ici. Lui là. De toute façon, j'arrive pas à tirer. Sinon on prend vite fait pendant que Odaving fait le dragon là. Je vous en dis. Est-ce que quand je suis dans l'eau j'ai moins de dégâts? Oh sous le pont. Oh bah tiens voilà parfait. On a trouvé. Note de Shoften, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai beaucoup trop de notes, moi. Nous avons trouvé un ancien champ de bataille près du repère de Thoron. Sur le sol gisant toute la variété d'armes et d'armures des draps connus sous le nom des Saint-Dorés, de Saint-Doré et Ville Séducteur. C'est là-bas que nous avons récupéré leurs armes et avons créé nos compagnies de bandits en adoptant leur nom. Depuis ce jour-là, en étant qu'unique forgeron, j'ai pris la responsabilité d'étudier ces artefacts surnaturels. Et à présent, mes efforts pour reproduire le somptueux artisanat de ces majestueux des draps portent enfin leurs fruits. Ma mémoire n'est plus aussi faible qu'autrefois, fiable qu'autrefois. Si cette dernière venait à me trahir, au moins ces notes permettront à d'autres de perpétuer cet artisanat. Il faudrait être fou pour forger des armes à partir de l'or, car c'est un métal bien trop souple. Pourtant, les lames dorées des seins sont légèrement légères et résistantes. Elles résistent autant que l'acier. Comment est-ce possible? Il semble que l'astuce consiste à appliquer trois couches. Tout d'abord, la structure de l'arme doit être renforcée avec de la pierre de lune raffinée. Ensuite, l'or doit être appliqué lorsqu'il atteint le point de chaleur précédent, la fonte. Enfin, il convient d'introduire le cœur d'un dédra dans la forge lorsque l'arme est mise à chauffer pour lui donner sa forme finale et transformer complètement les attributs du métal afin de lui conférer son extraordinaire solidité. Le procédé pour forger l'armure masken, le séducteur est similaire, mais demande plus de finesse, car il faut équilibrer le modelage de l'ébène, une matière très rigide. En ajoutant régulièrement du vif d'argent, la chaleur de la forge doit être absolument contrôlée, autrement la forme et l'intégrité de l'équipement pourraient être détériorées. Comme indiqué précédemment, placez le cœur des draps dans la forge lorsque vous faites chauffer l'arme. Ouais. Ok, pas de soucis. Ça m'aide à quelque chose, ça? Ça doit être ça, hein. Après
avoir étudié les journaux de dessins et des séducteurs bandits, j'ai appris que Tolron conduit de dangereuses expériences dans les égouts de solitude à l'aide d'une étrange épée. Je devrais trouver l'emplacement du repère de Tolron dans les égouts et découvrir la nature de ses expériences. Ok. Bon, on essaie de dégager, hein. Je sais pas comment on va faire, mais... Allez, let's ride. Ça s'écrit en anglais. J'ai pas mis la traduction. Hop. Je sais pas s'il faut partir, mais je pense que c'est pas là. Allez, on se dégage. On fuit. On essaye de passer par les bois. Hein. Attends, j'ai plus de... Non, mais là, c'est le danger absolu. Fuir. Mais les dragons sont trop puissants. Oh là là, il y en a partout des dragons. On va s'en garder à chaque fois. Au secours. Non mais je crois qu'il y a des assassins, j'ai entendu parler, je crois. Non. La map est trop lourde, d'abord il y a plein de bugs. Non mais regardez, il me poursuit. Mais il y a tous les dragons qui vont donner rendez-vous pour me buter en fait. Hein. C'est le règlement de compte, c'est parce que j'ai tué... Comment il s'appelle? Ouais, c'est parce que j'ai tué Alduin. Oubliez-moi. Il y a des choses... Oh là là, c'est quoi ça? C'est des bandits? Il y a des dragons derrière moi. Attends, il y a des sombrages et des... Ah non, c'est... Imperio. Au secours, des dragons derrière moi. Au secours, il y a des dragons derrière moi. Bon, je sais pas ce qu'ils disent. Mais... J'essaye de les fuir, mais... Ouais, les dragons sont encore sans moi. Le chasseur. Voilà, solitude sans les dragons. On a fui lâchement, bien sûr. Bon, ils étaient trop forts. Enfin, bref. Et vous, ça va? Bon. Vous cherchez du travail? Non. Prenez une hache, une boîte qui s'est occupée. La solitude, c'est-à-dire dans la ville. Moi, bon, j'avais bugué. Ah, mais moi aussi, je suis bugué. Non. C'est quoi cette merde là? Pourquoi les destriers ils volent? Entrez. Et pourquoi elle? Non, attendez, c'est quoi ce bug? Et revenez là? Je pense qu'ils vont mourir, on va devoir recharger. On va regarder ça. On va partir, peut-être que ça va...
tiens donc les chevaux. Vous êtes qui, vous? Vous êtes ou à Katlas, vous cherchez du travail. Passez au Ragnar pervers quand vous voulez. Il y a toujours de la musique. Travaillez dur pour l'avenir et laissez le passé de côté. Ah bon, non, je... Vous venez pour les écuries, et il faut voir ça avec vos maris et vous. M'occupe des chevaux et des chèvres. C'est la mule. Oh, t'as perdu beaucoup de vie. Et mon cheval, comment il va? Il est mort, c'est ça? Peut-être qu'il faut que je le ressuscite. On va voir ça, s'il est mort, je vais le ressusciter, hein. À mon avis, il est mort. C'est quoi déjà le code? Ah non, il est là. Ah, ça lag. Ok, tout va bien, on y va. On continue la mission. Oh, j'ose même pas monter sur le cheval là. Si, encore. Quoi, c'est des bandits? Parce que si je touche un garde... Merde, j'ai pris un truc. Oh mais c'est des dessins dorés, sport. Dine. Géant bleu. Regardez, c'est ces fameux... c'est les dessins dorés. Ils nous attendent en fait. Tiens, étrange. On va lire ça. Apparemment, il y a une note étrange. Note sur la revanche pour Svarig. Mes compagnons et moi avons formé un pacte pour traquer Aïren. Ah, oh, c'est moi. L'ordure qui a massacré Svarig. Cet assassinat aura des conséquences. Le seul moyen de laver votre honneur de séducteur est de mettre sa tête au bout d'une pique. Eh ben, c'est raté. Parce que c'est moi qui ai mis le pic dans votre tête. Il y en a un autre, c'est ça? Non? Et les chevaux, ils... Oh, ils partent, hein. Ils ont peur, c'est tout. Très bien. Ça, c'est un garde, j'imagine. Ouais, c'est bon. Ah ben, je ne suis pas un vampire. Ah, j'ai plus de vigueur. On ira à la taverne. On ira prendre une chambre. Ouvrez la porte. Ils me traquent de partout, hein. Je les avais même pas vus arriver derrière moi.
Ça, c'est la vie. Où est la vie? Merde. Oula, fais gaffe, gars. Putain, elle est grave, là. Si je touche le regard, je vais faire. T'es là, putain, leur arc. Hein. Ils ont des ingrédients que je n'ai pas. Bonjour petit chien. Trop mignon. Bon bah... on a survécu une fois de plus hein. On va aller se reposer à la taverne. Le Ragnar pervers. Bon, il n'y a pas d'assassin. Grâce à mon araignée, je suis protégée. J'apprécie de fabriquer des flèches. Suivez mon conseil, ne jouez jamais. À cause de ce maudit Irmiscar. Je ne me concerne pas de ça. Vous et moi sommes les seuls pertes. Il semble qu'il y ait toujours davantage à faire. Ah ouais? Vous n'avez pas une chambre à vendre, par là? Bienvenue au Ragnar pervers. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Aucun problème, elle est à vous pour la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Ouais. Suivez-moi. Ouais. Des draps frais et du torboyau. Que voulez-vous de plus? C'est pas si mal d'être chez. Ma fille me nourrit et j'ai plus à travailler. Ça fait un beau camp de l'araignée, c'est incroyable. Après tout, elle est modifiée. Merci. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Wow, c'est un mec avant le feu, oui. Ouais, moi je dors. Que j'ai un état. J'ai été contaminé par quelque chose. Non? Je me partais, hein. Ce que je veux, c'est obtenir mon diplôme et m'enrôler dans la Légion. Mon tambour mènera nos troupes à la victoire. C'est un honneur de bénéficier de l'enseignement de Viarmo, mais je le trouve bien trop réservé. Vous semblez être fier d'être barde. Et pourquoi ne le serais-je pas? Nous chantons les exploits ainsi que les intrigues des rois et des reines, c'est vrai. Mais savez-vous qui écrit vraiment l'histoire? Celui qui tient la plume. Oui, c'est vrai. Au revoir. Allez, tu viens, Tarana. Certes, j'ai peut-être l'apparence d'un combattant frein. Les femmes de solitude sont comme la ville elle-même. De tempérament orageux au premier abord, elle recèle pourtant peut-être un chat ou... Vous passeriez votre temps à me donner... Je n'ai rien à vous dire. Dégarpissez. Oh, ça y est. Ben ça, putain. Trop d'ennuis en ce moment. Attendez. Oh, il y a encore un tueur. C'est pas si mal, Dieu. Ma fille me nourrit, et j'ai pu... Faut qu'elle me fasse quelque chose. Je prends le lard.
Oui, c'est ça, prenez-la. Abandonné. Oh, il y a le garde là. Bah ça en fait des corps. Hein. Ah, chaque personne que je tue, il y a une note. Regardez. Comme c'est mignon. Comme d'hab, hein. Aliren, cette ordure qui a tué Kinkal, paiera pour ce qu'elle a fait. Je jure de lui rendre l'appareil, et quand je reviendrai victorieux, il ne fera aucun doute que ce sera à moi de commander les saints. Oh, ils sont complètement en train de se battre pour le pouvoir entre eux. Hein. Ils sont déchirés entre eux. Ça va être facile de les détruire. Hein. De la bière, je veux dire. C'est donc ici. Peut-être qu'on n'est pas tous les seuls. On n'est pas les seuls à avoir trouvé cet endroit. Donc il faut s'attendre à d'autres. Cette secte. Tiens. Un fromage. Marie est tellement pas discrète. On va voir ce qu'il y a en bas d'abord. Un Ragnar dégommé. Oh, c'est joli ici. Tiens, bah c'est ça les ingrédients mystérieux. Oh! Vous avez vu ça? Cet organisme est totalement inconnu, ça doit venir de Shumnaïs, je sais pas quoi là. C'est jeu des drafous là. Je me rappelle qu'il y avait des pousses comme ça. Oh, il y a les fameuses araignées. Je crois que je les ai découvert. Ouais. Elle attaque pas, mais... Je vais te mettre en mode bataille. Prendre toutes ces choses étranges.
J'aurais jamais vu ça. C'est comme des coffres, on dirait. C'est extraordinairement inconnu. C'est fascinant. Des formes de vie inconnues. On pourra faire des potions avec. Pourquoi tu retournes là du coup? C'est quoi ça? Oh, c'est un... intéressant. Fascinant. Encore des monstres. Des araignées. Oh non, je suis en... T'es corrompu par la nature étrange. Voilà, c'est fait. C'est compliqué. On a grave morflé. Mais on a réussi. Et je crois que notre araignée est morte, non? Non, elle est là. Comme d'habitude, elle est derrière. Attendez, on va aller voir à côté, sinon on va louper des choses. Du loot, du loot. Oh merde. Boost, Rhoda. Oh merde. Ouais, je t'ai foutu rien dans un brumier. Boost,
Elle se nourrit de l'argile. Plus je suis loin, plus je fais des dégâts. L'araignée elle se barre à chaque fois. Elle peut se battre. Toi tu es un. Bon, apparemment ici là ça corrompt la nature. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gens, chasseurs. Quelqu'un qui est tombé peut-être. Les animaux aussi. Ouais, c'est sûrement ça. Bon, ça semble pas être ici en tout cas. Ah oui, c'est vrai, c'est à côté. On est à côté aussi. J'ai oublié. Déjà, on commence à avoir des structures, ça devient intéressant. On dirait que ça. Il y a un autre monde qui a poussé dans notre monde.